Ok, parce que t'as vraiment des choses assez jolies. Hein. Genre des tout petits comme ça. Ouais, pour le moment, je vais laisser ceux de base. Je les ferai peut-être plus tard. Ok. Après, tu peux changer le couvercle, le levier de vitesse. Non, ça je... pas pour l'instant. Ça m'intéresse pas. Ah, ce que je vais faire, c'est que je vais valider comme ça, je vais te faire la première Ouais. facture. Et après, je reviens dessus. Parce que sinon, Ouais. j'ai peur que ça Ouais, fasse. ah oui, t'as abandonné les codes couleurs, ça c'est trop intelligent de sa part quand même. Alors c'est ton une couleur type un peu métallisée plutôt, mat. Je t'envoie pas bien entendu mon frère. Elle est magnifique comme ça. Alors attends, je te fais ta facture. Ouais, bien sûr, bien sûr. Dis-en-moi quand même. Est-ce qu'il y a une plaque derrière, ouais. Bien sûr. Dis-en-moi quand même. Il t'a abandonné quoi comme indication? Ah bah, c'est juste la couleur après. Oui, non, mais les petits numéros qui t'a abandonné. Ah, bien. Oui. C'était 178. Le numéro des pots de peinture. 148. Du coup. C'est quoi comme véhicule? Le nom exact. C'est la Weevil Custom. Et la, oui, la, la what? Oui. W-E-E-L. Ok, Weevil Custom. Est-ce que je pourrais... Est-ce que je pourrais avoir ta carte d'identité, s'il te plaît? Ouais, pour la facture. De 3000 dollars pour quand même. Ça c'est. Ok. Bah, yes, nickel. C'est ton bon pour toi? Yes. On va passer la petite rouge d'après. Du coup. T'as une carte pour toi que je te tâche en pas avec? Alors, je te passe un petit film, c'est un film hydrophobe. Pour que tu aies la tac, je vais faire ta facture. Moins ta peinture, ouais. Ouais, stylé. C'est ce qu'on utilise sur les chaussures de sport, un peu, tu sais. Ah ouais, enfin, je vais mettre. Ça marche pour la boue. On fait la boue, le problème c'est ça s'accroche, ça pègue. Puis je viens de la. Et voilà. C'est bon, après, là, on va pouvoir continuer. Ouais, attends, j'arrive, je vais te chercher. Ah, mais pour le coup, passe-le un coup au garage, s'il te plaît. Ok, ouais. J'arrive. S'il y a un problème quand tu grilles pour la peinture, des choses comme ça. Alors, une assurance qui prend un peu. Tu as besoin d'une réparation? Non, non, je dois encore voir un petit détail avec. Un patron? Quelqu'un? C'est ça. Eh ben, il est demandé. Vas-y. Impeccable. C'est ton Dubsta Luxury? C'est dans quoi les gens? Dubsta Classique? Nickel. La peinture est repassée brillante. Ouais, le mat n'a pas tenu. Ouais. Non. Alors ça c'est embêtant. T'es pas le premier à qui ça le fait. Hein. Oh là là. Je vais regarder ce que je peux faire pour le reste. Ok. Je vais voir ça avec le patron après. Du coup, tu voulais voir pour tout ce qui est carrosserie? Ouais, c'est ça. Ok. Voilà, par là, mon chien.
Là c'est à l'avant là. Tu peux changer le pare-soleil. Ouais celui. Le premier, celui couleur peinture, ouais. Comme ça? Ou à moins que t'en as un en noir. Oh, on doit bien l'avoir un. Non, moi celui-là. Ouais, on va laisser celui-là, écoute. Allez. Lui, c'est combien du coup, s'il te plaît? Là, on est à... Là, on est à 11026. Non, 11027, pardon. Ok, du coup, il me resterait un peu moins de 10 000 dollars. Bon, je pense qu'on va faire ça et c'est tout. Ok, donc je valide ça comme ça. Ouais, allez, vas-y. Ok. Nickel. Alors attends, je vais faire ta facture. Après ça va aller plus vite vu que j'ai déjà toutes les infos sur la première facture. Oui. On craque juste à attendre le boss pour la peinture. Bah t'es pas la première personne à qui ça fait ça. Il y en a plein qui viennent faire du mat et quand ils reviennent, le mat ne tient pas. Ouais, sur le Camacho, les garde-boue, ils s'étaient repassés en brillant. Ouais, tu vois, par exemple. Je sais pas pourquoi c'est plus ça. Alors, attends, du coup, je vais t'offrir le petit kit de nettoyage. Merci. Et je vais aller en toucher un mot au gouverneur, au patron. Où est-ce qu'il est, le patron? Devant. Ah non, mais dans son bureau. Mais au pire... Ouais. Au pire, essaye d'en toucher un mot directement en envoyant un mail au gouvernement. Ok. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je vois. Parce que ça, c'est... T'es pas le premier. Je vais leur dire aussi, de toute façon. Pas de soucis. Je vais le faire maintenant. Bon, j'ai un peu de temps de voir ce qu'il en pense. Il avait déjà réussi à régler le problème. Bah ouais, mais je sais pas comment, je sais pas pourquoi. On va faire un screenshot. Attends, incroyable.
Je note des factures, ça les prend pas en compte. Et eh ben gros, il se passe quoi là sur sa putain de compta là? Rappelez-moi, c'est Mike Jones, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je pense que je repasserai parce que je pense qu'il va en avoir pour un long moment. Ouais, il est avec le gouverneur, donc ouais. Ouais. Puis je sais pas s'ils attendent pour toi les deux là-bas. Après, je pense pas qu'il y en a pour si longtemps que ça, mais ouais, à mon avis, d'attendre d'aller faire autre chose. Ouais, ouais. Vas-y. Allez, merci. Ouais, y'a pas de soucis, bon courage. Ouais, merci. Ah, je peux modifier. Ah bah nique, écoute, tant pis. Ok, on va aller prochain. Bonsoir monsieur. Monsieur, bonsoir. Vous avez besoin de quelque chose? Bonsoir. Oui, de renseignements. Dites-moi. Est-ce que vous aurez effectué des réparations, voire des modifications sur une sultane récemment? Vos collègues sont déjà venus tout à l'heure. Oui, bah justement, moi je viens pour savoir si vous avez la plaque et potentiellement l'identité de la personne. Alors, si vous pouvez me la donner, sinon je leur passerai avec un mandat. Faut qu'on attende le patron. Très bien, bon, on va attendre. Ouais, bah, on va attendre. Ouais, j'ai bien saisi, ouais. Ok, ok. Vous avez jeté les pneus de tout à l'heure. Les pneus? Qui ont été changés, oui, sur l'autoroute. Ils sont dans le camion là-bas. Là. D'accord. Dans la dépanneuse, pardon. Dès que vous déjanterez les roues, tout ça, si vous retrouvez des balles ou quoi que ce soit dedans, vous prenez avec des gants, vous les mettez dans un sachet et vous nous appelez. Je suis pas la scientifique de la police, moi. Non, mais si vous avez les machines comparées à nous pour peut-être retirer l'agent du pneu, après moi je dis ça, je dis rien. Hein. Après, quoi qu'il en soit, de toute façon, on utilise des gants, on va pas s'abîmer les doigts là-dessus, enfin tu vois. Oui, je vous dis ça. Y'a pas de soucis. Mais après, ouais, écoute. Au cas où si. Parce que je pense que les jantes sont récupérables comparées aux pneus. Donc, au cas où si vous faites ça, si vous retrouvez des balles, prévenez-nous, sinon vous pouvez tout jeter. Ok. Attention, vu l'état des roues, je sais pas, on verra. C'est dans vos portières qu'il y a des balles, vu le nombre d'impacts que j'ai eu. On a dû s'en prendre plein dans les pneus, vu que ça a touché les pneus. Ah oui, clairement oui, mais dans vos portières, vous en avez. Ah bah oui, bah ça c'est sûr. Le nombre d'impacts qu'il y avait sur les véhicules. J'ai besoin de récupérer tout, vous savez, mais si c'est pas dans les. Si c'est pas resté dans l'enveloppe du pneu, tout ça, c'est certainement dans les. Encore dans le véhicule coincé dedans, donc c'est pas grave, mais voilà. Il y a un petit malin qui s'amuse à me faire perdre mes perfs. C'est pas bon le truc. Votre chef ou pas? Je sais pas ce qu'il fait. Il est avec monsieur le gouverneur, donc. Il y a un petit malin qui est en train de baiser le truc. On repassera plus tard, on repassera demain, c'est pas grave. Ah, y a pas de soucis. Merci quand même. Et voilà, fils de pute. Ah, nique ta mère là.
Après, je veux bien dire oui pour la SNRP, mais. Par contre, il aurait pas dû partir en vrai. Il con, quoi. Il attend que le patron soit là, il demande au patron, et le patron lui donne les infos, tu vois. Il con, quoi. Oh, ça me saoule ça aussi. Bon, mais il n'y a plus qu'à attendre. Tu veux un truc à bas? Non, non, t'inquiète même pas, je suis bien. Ouais, tranquille. Je suis sur mon téléphone, je suis un mur. Ouais, tranquille, parce que je vais en profiter pour faire une petite pause. Mais je pense, tu sais, y a pas un mec là-bas qui attend près de toi. Hein? Regarde là-bas contre tes caisses à outils. Ah ouais, bien vu. Ah, depuis combien de temps t'es là, toi? Si si. Tu vas bien. Hier je suis là moi. Je me parle ma coachée mais bon j'ai l'impression que c'est moi. Mais bon tu. Et tu arrête, dis pas ça. Fallait bien me voir, fallait me dire. Ah là. Fire. Ah putain. J'ai un petit moment d'absence, je sais pas si t'as compris. Ouais, c'est ça, ouais, tu voulais pas me réparer ma coachée, ouais. Arrête, arrête. Oh, tout de suite là. Je vais pas réparer sa coachée. Du coup. Putain, ça m'a remis mes casses à outils. What the fuck? J'ai pas regardé l'état du moteur. C'est quoi? Tu veux bouler? Bah moi je vais bouler. Et t'attendras que je finisse de bouler pour avoir ta réparation. Ah ouais, ça fera ma pause comme ça. Tout à l'heure j'enchaîne là. Ah mais dis-moi pas qu'il y en a encore un autre. Putain. Et gros,
Laissez-moi tranquille. Embaucher quelqu'un, bordel, faites un truc. Mais il vient se plaindre pour sa couleur à 100%. Je reconnais le 4x4. Ou là, il vient faire pareil que ses collègues. Beige mat. Ah non, c'est pas le même 4x4. J'ai confondu. Ouais, c'est stylé l'effet de flou dans le garage. Je peux pas trop voir ce qu'il y a au fond là-bas. Ça va, liste. C'est un tout petit que j'ai fait. C'est pour ça qu'il y a une réparation à faire lui aussi. Ah, ça me chiffonne dans ce putain de délire là, leur script là qui me fait bugger, je sais pas pourquoi. Et pourtant j'ai baissé les perfs. C'est pas normal. Hein. Alors, pas normal du tout. Ok, nickel. Putain, nettoyage que je voulais faire. C'est horrible ces voitures. Personnellement, j'aime pas. Et bon dia, et comment va? Merci. Ah, pas de soucis, c'est pour ça. Et salut. Du coup, attends, je te fais ta petite facture. Ça va, le plus beau des... Le plus beau, t'es le plus beau, toi, tu le sais. Salut, j'entends lui. Salut, j'entends... Ah, pas mal, si. Oh là 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 là. Si, je sais, je suis fort, je suis fort. T'es très très fort. Je suis aussi brillant que son crâne. Ah, il aime bien, moi, faire des bisous de son crâne. Si, lui, il aime bien mettre des factures. Tiens, tiens. Moi je sais, bah après ça va, j'en ai mis des petites là. Ouais, si, c'est 100$, 500$, j'en mets des petites, mais je te préviens. 500 plus 500 plus 500 plus 500. Je te préviens, j'ai bientôt plus pouvoir les payer. Bah arrête de casser tes véhicules aussi. Ça va, les jeunes. Il est bon, Diaye, comment va? Ouais, pas mal, pas mal, carrément. Et vous-même? Oui. Il est tranquillo, hein. Ouais, bon, tu t'en es ton sorti comme un chef, tu transpires de partout, mais t'as l'air d'avoir une belle promotion ce soir. Un petit peu, ouais, un petit peu. J'avoue, j'ai chaud. Eh ben ouais, il paraît que ça n'arrête pas, hein. Que, ouais, vous êtes bien affûté, on m'a dit, hein.
meilleur employé de la semaine. Je suis pas le meilleur, et je mets j'affûte, ouais. Ouais, en tout cas, il est temps arrivé, il est un peu hésitant et il est temps de plus en plus à l'aise dans ses sabots là, voyons. Mais c'est des belles crocs de sécu d'ailleurs en passant. C'est. Et ça faisant plaisir à voir. Rien qu'avec nous déjà toujours efficace. Ouais, complètement. Ouais. Après, même il a long faire des dépannages de l'extrême, des bus, des machins comme ça, carrément, c'est incroyable. Ouais. Et je confirme, la dernière fois il m'a dit va faire enculer, je suis en dépannage. Ouais, ouais, je confirme. Ouais, ils ont les belles choses, ouais. Ils te souhaitent du bonheur. Il a été bien formé, lui, c'est sûr. Ouais. Attends, qui ça? Ouais, le travail avant tout, hein. Le travail avant tout. Si, hein. Si, on parle de toi, oui, c'est ça. Quoi? Moi, je t'ai jamais dit ça. Si, tu m'as dit, va te faire enculer, je suis en dépannage. Mais t'es jamais dit ça, mais t'es fou. C'est ton amour, mon chef. Si, tu m'as dit, va te faire enculer, je suis en dépannage, tu m'attends au garage, sinon, tant pis pour toi. Mais je te permets pas d'inventer des trucs en fait. Non, je rigole, t'as dit ça gentiment, mais grossièrement parlant, ça voulait dire ça. Bon. Messieurs, je vous souhaite une bonne soirée. Excellent. Monsieur le gouverneur, bonne soirée à vous, merci. Bonne soirée, je me rappelle plus votre nom, pardon, mais quel est le même. Nassia. Ah oui, bonne soirée. Hein. C'est moi qui vous ai transmis le dossier pour le bâtiment des taxis. Oui, bah je sais bien, ça j'avais. Ah, vous vous rappelez. Et pensez à nous, hein. Et pensez à nous aussi, hein. Je ne sais pas si vous voulez parler. Ah, ben c'est à vous de penser à moi. Excellent. C'est vous qui avez les clés de la ville, hein. C'est pas nous, hein. Ah, ben oui, mais moi, il me faut un petit projet quand même, hein. Si vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Dites-nous. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je vous l'ai fait, votre dossier. Super raide. Qu'est-ce que vous voulez? Je vous l'ai dit la dernière fois. Eh ben, écoutez, vous verrez bien dans votre ville. Eh ben écoutez, j'attends avec impatience, il n'y a pas de souci. C'est à toi d'être créatif. Ben oui. Si, mais. Moi, il y a la créativité, mais. Mais. Des fois, c'est compliqué. C'est pour ça. C'est pour ça que vous êtes plusieurs. Et c'est pour ça que vous avez aussi le dossier de l'association pour la maman. Si, la maman, c'est. Oui, et c'est pour ça que c'est compliqué. Si, mais c'est la maman qui s'occupe de ça, vous inquiétez pas, la maman, normalement, elle gère tout ça. D'accord. Le gouverneur, il est trop louche. Hein. Avec aussi votre idée pour ce que vous voulez faire. Et après, entre nous, franchement. Il est intriguant en fait. Moi, j'ai pensé à la super aide, d'accord, je veux dire, avec la station essence et tout. Même j'ai pensé entre, je vous dis la vérité, sur l'autoroute, entre le Paletto et la ville. Comme ça, ça met tout le monde d'accord. Ouais, mais ça, est-ce que la super aide. Ça, c'est cher, hein, les super aides, hein, franchement. Et puisque ça vaudrait le coup, je sais pas. Alors, c'est la question que se posent certaines personnes, hein. Donc, je n'ai pas de réponse. Faudrait essayer, c'est ça que vous voulez dire. Si, moi, vous dites d'investir dedans, quoi. C'est ça. Bah, honnêtement, je peux vous dire honnêtement ce que j'en ai pensé quand j'ai vu la fiche des supérettes. Si, vas-y. Quand j'ai vu les prix sur la fiche des supérettes, j'ai. C'est trop cher. Tu peux le dire, tu peux le dire. Il faut faire un prévisionnel. Voir ce qu'il y a dedans. Après, comme vous avez dit dans votre déclaré, entre guillemets, vous avez dit que voilà, on peut s'arranger sur payer en plusieurs fois, etc. Oui, donc on peut être arrangeant aussi. Oui, mais non, en fait, on peut pas. Ah, d'accord. Là, je vous l'ai dit pour la supérette ou je vous l'ai dit pour le restaurant? Je sais plus, mais. Ouais, parce que pour le restaurant, oui, bien sûr, ça sera faisable. Le restaurant, vous pouvez y accéder très facilement. Sans verser même de l'argent. Parce qu'il y a un leasing après qui est mis en place. Chaque semaine, à travers votre comptabilité, on prélève une somme. Il y a les impôts, tout ça, c'est. Oui, il y a les impôts. La supérette, non, c'est obligatoirement, on la paye cash. Si après, entre vous et moi, la supérette entre le paletto, etc., ça s'appelle pas mal, hein, au juste milieu. Alors, c'est simple. Hein. Regardez, oui, Paletto. Le bord de l'autoroute, je parle. Hein. Alors, autoroute est ou autoroute ouest? Et pour aller dans le nord. Regardez, pour aller dans le nord, il y a deux autoroutes. Il y a celle qui est à l'est et celle qui est à l'ouest. Si, c'est à la droite. Chez nous, on est à droite. C'est à la droite pour aller dans le nord, 957. Si vous regardez sur votre GPS. Là, il y a la supérette et en même temps il y a la station service. Celle-là, moi je pense qu'elle pourrait être magnifique, mais le problème c'est que la supérette marcherait vraiment.
Oui, alors ça, je ne peux pas garantir. L'emplacement de celle-ci, c'est vrai que toutes les personnes qui vont la faire, etc., vont avoir tendance à perdre l'essence là. Les personnes qui vont en sandy shore vont avoir tendance aussi. Oui, pour moi, c'est un bon emplacement. Oui, mais la station essence ne fait pas partie du LTD. Ah non, la station essence, c'est à part, Là, vous c'est... parlez d'acheter quoi, là, du coup? Le LTD ou la station essence? C'est le mieux, ce serait les deux, hein, ce serait incroyable, mais déjà, mais après, juste la supérette, à mon avis, si c'est pas vendre des produits à part, entre guillemets, enfin, ça vaut pas le coup. Il y a le Burger Shot, il passe toujours au-dessus, quelques cafés, etc., etc. Si, mais en fait, t'as tous les civils qui achètent dans ta supérette, c'est pas... Il y a énormément de monde. Ah si, il y a des civils aussi qui achètent? D'accord, enfin, des Bien sûr. concitoyennes? Ah, je savais Bien pas. sûr. Ah oui, mais moi, par exemple, des fois, ça m'arrive d'y passer, d'acheter, je sais pas, moi, une canne à pêche, ou... Enfin, tu vois. D'accord, mais toi, sur 1 million de citoyens, tu vois ce que je veux dire? Ah bah ouais, c'est un exemple, tu vois. Je dis ça à titre exemplaire, tu vois. Non, non, mais il a pas compris, à tête de genou. Si, Ah si, bon? j'ai compris, si, j'ai compris. Non, mais c'est lui. Ah oui, si, ouais, Et voilà, t'as compris, les concitoyens, les concitoyens. Bah, Je si, ça y est, ça monte. Il faudrait voir, par contre, une question intéressante aussi, il faudrait voir qu'est-ce qui pourrait être plus rentable, la supérette ou la station essence? Ouais. Station essence entre nous, enfin après aussi, enfin. Oui, on bosse la station aussi, mais c'est pas les mêmes prix ici. Après, oui, c'est pas le même prix. Hein. Après, faut Après, dire c'est que les deux, c'est le justement. mieux, hein, si tu sais faire une paire de coups, comme on dit. Non, c'est le Après. même prix, hein. C'est le même prix, station essence et Ah, c'est le supérette. même prix. Ben oui, bien sûr. Mais au même prix, on n'a pas les deux? Non, mais alors. Déjà où ça vaut? Déjà où ça vaut? Ça va, on n'a pas les deux. Si, ça, c'est bien Non, tenté. non, non. Y a pas Non, à mais acheter, à incroyable, offrir. déjà le prix que ça vaut, déjà c'est que la supérette? Non, pas déconner. Non, on n'est pas chez un Frelou, hein. C'est pas une paire de lunettes achetées, une offerte. Hein. Non, 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 c'est chacune la Excellent les supérette références. 500 et on va dire la station essence c'est 500 à peu près. Hein. Ça dépend où elle est située. Ça varie entre 500 et 400 l'unité. Malade, c'est plus que Donc ça. ça fait 1 million quoi. Mais c'est 1 million. Non, mais c'est plus que ça. C'est déjà 1 million rien que la supérette. Ça fait 1,2 million, oui. Non, juste un. Non. Mais non. Non, un Ah, c'est si. 500 000. Une supérette, c'est 500 000. Une station d'essence, c'est 500 000. Prenez-le comme ça. Alors ça varie entre 500 et 400 000. Après, avec le recul, si je peux me permettre, si c'est vraiment un achat à long terme, il y a moyen de faire de la thune avec. Si. Mais du Ouais. coup, ça fait Si, 1 mais million, si, il c'est y a de ça? la. D'accord, attends. Ça fait 1 million. Du coup. Les deux, 1 million, oui. Voilà, vous nous prêtez 1,5 million. Alors moi, je prête pas d'argent. Ah merde. Vous voulez contrebasso? Je comprends pas. Ah ben là, entre le barreau, les 1 million, tu les fais jamais. Faut faire un emprunt à la banque, Même je pense. entre nous, on va se dire la vérité. Moi, je pense que de toute manière, que ce soit le cas de café, le burger shot, etc., passera toujours au-dessus de la supérette. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain, 200%. Niveau nourriture, niveau tout, ça sera sûr à 100%. Non, parce que eux, y a pas beaucoup de concitoyens qui vont. Oui, niveau concitoyen, d'accord. Mais est-ce que les concitoyens vont se rapporter ce qu'un Mais de toute façon, la citoyen. supérette, c'est pas le but recherché de faire comme le Burger Shot, tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais du coup, c'est quoi le but? Si tu veux vendre pas C'est de la nourriture. la rentabilité. Oui, mais comment tu l'as fait, Star, si tu fais pas de. Si tu vends Avec pas les de nourriture? concitoyens, Chico, je vais pas Oui, non, t'expliquer mais quoi. d'accord, mais il n'y a pas que ça. Enfin, pour le moment, il n'y a pas Bah que si, c'est ça. ça, si, c'est ça, si, point, ça s'arrête là. D'accord, moi je pensais qu'il n'y avait pas que ça. Les supérettes et les stations essence, Ah c'est bah dans ça. ces cas-là, autant acheter un Oui. truc, un restaurant, alors, mais qui ait plus de vie, entre guillemets. Bah ouais, après. Ah, les quatre cafés. Ouais, qu'un café, pour moi, je trouve que c'est un peu bizarre. J'avoue. C'est un peu ambiance malsaine, tu vois ce que je veux Ouais, dire? j'ai pensé à la même chose la première fois que je l'ai vu. Y a beaucoup de Tu vois, pour chats. les gens qui veulent aller. Ah, c'est pas les chats le Tu problème, vois. c'est. Non, c'est pas les chats, non, exactement. Moi, je suis Ah. C'est le tweet qu'il y a eu il y a pas longtemps, le short là, ou je sais pas quoi là, sur le Oui, non, mais social. même l'ambiance est un peu bizarre, je sais pas, moi ça me... Entre hier, encore des Amano, ils étaient pas d'accord avec moi, mais entre le Tiki Bar et le 4 Café, je préfère 100 fois acheter le Tiki Bar. 100 fois. Je suis jamais allé là-bas. Niveau même ambiance, mais niveau... Tu peux faire plus de trucs au Tiki Bar qu'au 4 Café, tu vois ce que je veux dire? Après, chacun son point de vue, tu peux faire des soirées, tu peux faire des trucs comme ça, c'est de fou au Oui, Tiki ça Bar n'a rien à que voir. par quelqu'un... Ouais, voilà, ça n'a rien à Le voir, Tiki Bar, mais... c'est à la plage, quoi. Vous faites mettez des enceintes dehors, vous faites une soirée en C'est tente. mieux de faire ça que Ah, il est d'ouvrir à un côté de la truc plage. où...
Ah oui, le ticket bar, il est moins cher. Il est moins cher que le 4 cafés, c'est ça que je comprends pas. Alors que pour moi, il est plus rentable. Attends, je vais regarder. Excusez-moi, le magasin de CBD. Ah, mais c'est ça le ticket bar. C'est pas la reprise celui-là ? Ça me chante. Bah écoutez, non. Je sais même pas s'il est ouvert actuellement. Il y a eu quelqu'un ou vous avez. Bah, pas un Chico à un moment donné ? Si, en fait, on peut travailler là-bas en intérim. Où ça ? Ah voilà, en intérim, ouais. Eh ouais. Ah, mais c'est pareil, on peut travailler à la ferme en intérim, mais il y a bien un patron à la ferme. D'accord. Donc, faut voir le truc de weed là, de CBD là. Y a personne là-bas ? Si, c'est l'intérim. Comme il dit le gouvernement. Ah, c'est que de l'intérim, ouais. Bah là, il y a que de l'intérim, mais je pense pas qu'il y ait que de l'intérim. Et, de base. Bah ouais. Normalement, c'est pas fait pour l'intérim à la base. Ouais. Écoute, oui, moi je peux me renseigner pour voir si effectivement il est opérationnel, si à l'intérieur il y a l'électricité, tout ça. Alors, comme vous dites que c'est en intérim, oui, donc logiquement il doit être équipé. Je peux me renseigner, après c'est. Bon, après c'est du CBD. D'ailleurs, regardez, qu'est-ce qui est ouvert ? Regardez. C'est pas une question de le reprendre, hein, c'est juste savoir. Ah, d'accord. Bah, en vrai, ça pourrait être un bon commerce. C'est un peu compliqué, c'est ça que moi je trouve compliqué dans ce pays ici. C'est que là, vous voulez manger, c'est compliqué maintenant. Il est tard. Ah, il est tard, d'accord, mais même la journée, c'est pareil. Non, le Burger Shot est très souvent ouvert. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'il est. Ce matin, je suis désolé, ce matin, il y avait. Non, si, le Burger Shot. Le gars. Si, maintenant, si, il est plus ouvert que maintenant. Voilà, il est plus ouvert qu'avant, pardon. Si, d'accord. Le gars, il taffe beaucoup, il est pas souvent aussi sur place, tu vois. Il se balade. Moi, ouais, il vient ici, il prend des cartons. Il passe. Et après, il est très généreux, par contre, ça faut le dire. Ouais. Attention, il est très très généreux. Ouais, il est très bien, ce monsieur Beysac. Il est très bien. Il a un employé qui est arrivé il y a pas longtemps, je dirais 2 jours. Et puis, il y a aussi une demoiselle qui travaille de temps en temps. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait peut-être rajouter un ou deux trucs pour nous se nourrir, entre guillemets. Bon, messieurs, je vous laisse réfléchir. Je vous souhaite une excellente soirée. Si, bonne soirée. Et au plaisir. Et puis, à la prochaine, hein. Voilà. Et bon courage. J'avais là, hein. Oui. Bah, merci, c'était vraiment sympathique, hein. Moi, j'ai beaucoup aimé. Tant mieux, merci. Si vous avez aimé, tant mieux. Oui, bien sûr que j'ai aimé. Ah, bonne soirée, messieurs, merci. Bonne soirée. Allez, on est parti. Merci, monsieur. Eh ben, c'est quelqu'un. Et... Ah ouais, il est cool. Quelqu'un, ben, espérons qu'il n'y ait pas que des paroles, tu vois ce que je veux dire. Ouais, je pense pas. Parce que quand je lui ai donné mon dossier pour les taxis, j'ai eu un retour assez rapidement. Et très bonne idée, les taxis. Très très bonne idée. Ouais, bah après, c'est pas pour tout de suite, mais ouais. Bah ouais. Je suis un ancien chauffeur de taxi, donc autant j'en profite. Oui, alors c'est pas trop dans une autre vie. Ah non, pas dans une autre vie, de là d'où je viens. Si on peut quoi, on y va, Chico ? Si, allez. Allez. Si, bonne soirée, merci beaucoup en tout cas. Ok, merci, pas de soucis. Ah si, attends, tu peux me réparer la vitre ? T'as une vitre pétée, vas-y. Si, il y a la vitre conducteur pétée. Mon petit crâne d'obus. Et il a envie de faire des bisous sur son crâne. Eh, je suis la mascotte du garage. Bah si, bien sûr, t'es la mascotte. Si, sans toi, ça tournerait pas. En tout cas, si. On va rapprocher les chefs pendant que...